maman, je t'ai même pas reconnue avant. Regarde comment tu es devenue belle. Maman, Choco, tout, tu es élégante. Même ton temps a changé. Ma. Mère de la guerre. C'est toi qui as garé là. Monsieur, c'est mon véhicule. Maman. Maman. Maman, oh. Ma chérie. Maman, comment ta voiture est belle, comme tu es belle, tu es Choco. Oh, tu es ma soeur. C'est comment? Depuis que tu es partie, tu nous as abandonné, même pas une visite. Ya, yeah, Bill. Je suis tellement occupée, je n'ai même pas une seconde. Ouais. Je comprends. Apparemment, ma mère n'est pas là. Oui, elle est partie au champ. Elle aussi, elle est partie au champ. Ouais. Dis, les Simons sont toujours partis. Celle-là, ils craignent avec la bande des voyous de ce quartier. Ils sont là, ils sont encore en vie. Je vais les voir. Ah, c'est parce que tu n'as pas prévenu que tu venais. Si tu nous avais dit que tu venais, tout le monde devait t'attendre. Dommage. Sinon, qu'est-ce que tu deviens? Ah, moi aussi, la grande soeur. Tu as eu la chance de me couvrir parce que je souhaitais des filles. On nous a libéré un peu plus tôt, sinon on rentrait. Tout à l'heure, je suis mal lavé le sol. Je suis même fatiguée, ma. Je ne sais pas. Tu as tellement changé. Tes seins ont même poussé. Tu es devenue une femme. Ah, nous sommes là. Tu deviens quoi? Ah, je suis là, mon grande soeur. J'ai eu ma licence l'année passée. Maintenant, je suis fait master 1. Tu fais quoi avec tous ces diplômes? Ah, non, la vie n'est pas facile. Hein. En tout cas, j'ai passé, j'ai dit mieux, je passe de bien un petit rang, mais comme il n'y a personne, moi je vais partir. Ah, tu peux laisser pour eux, non? Comme ça, elle leur dire que tu étais là. C'est comment alors? Tu me situes pas quelque part, grande soeur? Je suis fatiguée à galérer de cette maison, maman. Moi aussi, je veux travailler. Je veux aussi être choco comme toi, être bio. Non, je veux travailler. Je devais être comme toi, maman. Quand il va descendre ici, moi aussi, je marche. Je suis comme ça, comme mon teint change aussi. C'est pas facile, hein? Et vous, comme ça que vous êtes, quand vous partez, vous partez brise, vous revenez, vous êtes en train de situer vos petites éducatives, vous dites que c'est pas facile. Toi, tu as fait quoi que je ne peux pas faire? Tu as dit que c'est pas facile. Sérieux. Tu es sûr d'avoir le courage que moi j'ai eu? Non. Tant qu'elle a l'argent, non. Même si on me demande quel courage, je vais donner le courage là. Tant qu'elle a l'argent, je suis sérieuse. Donc, si je t'amène, tu ne vas pas me décevoir. Bien sûr que non, on peut te dire le travail, tu refuses. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait encore? Ah, bon, comme je devais laver le sol là, je suis bien fatiguée, hein. Je ne peux plus laver ça. Parce que je n'ai rien à faire, si tu veux, moi je t'amène là. Ah bon? J'ai dit dès demain, ta vie change. Hey! Donc moi, je vais devenir choco comme toi. Je vais devenir. Mon teint va aussi changer, j'aurai une belle voiture avec une belle mèche comme ta femme. Bien sûr, tu auras tout ça, même plus. Hey! Non, on part maintenant là. Oui. Ok, attends, il prend mon pied, ferme la porte. Ok, dépêche-toi. Ok. J'espère que tu as bien fermé la porte. Oui, j'ai bien fermé. Quelle chose, maman. Salut, déesse. Mon amatata. Bill, que viens-tu faire ici? J'ai une nouvelle déesse qui aimerait bénéficier de votre service. Une nouvelle? Oui, déesse. Laisse-moi l'observer. Es-tu sûr que tu remplis les conditions? Oui, déesse. Ma fille! Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kiara, déesse. Kiara, peux-tu être comme ta maîtresse, Bill? Oui, déesse.
Bill. Va. Donne-lui les conditions. Mais rassure-toi qu'elle soit prête. Elle les acquérir. Parce que je ne veux pas de chèque. C'est compris, déesse. Tu as suivi les conseils de la déesse Mota Matata. Mais quelle encore? Elle m'a dit le temps qu'il allait m'expliquer. Ok. Je vais te laisser une histoire. Mota Matata a trois conditions. Ce sont les conditions les plus simples. Enfin, pour moi. Ok, si c'est petit, je te sais simple que ça va. Allons-y. D'accord. Les trois conditions sont... Elle a besoin de deux testicules de tes meilleurs amis. Quoi? Les testicules de tes meilleurs amis. Hey! Comment ça, les testicules de mes meilleurs amis? Laisse-moi d'abord finir. En deuxième lieu, elle veut une chèvre. Voilà, au moins une chèvre, ça passe. Non? Je me laisse même pas finir. Tu sais que la chèvre, c'est quoi? Et la troisième condition, c'est la condition de la poule qui picore. La condition de la poule qui picore, c'est encore quoi? Oui, c'est la condition la plus difficile. On va entrer dans les détails maintenant. Lorsqu'elle parle de testicules, ma chérie, c'est de ça qu'elle se nourrit. C'est ça qui lui donne la force. Et la condition de la chèvre. Elle a besoin d'un membre de ta famille. Hey! C'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères, l'une de tes soeurs ou encore les enfants de tes soeurs. Et en troisième position, la condition de la poule qui picole. C'est du genre, on lance les graines. Le nombre de graines que la poule va picorer va déduire le nombre d'années que tu vas vivre sur cette terre. C'est-à-dire, si tu avais 18 ans de vie, si la poule a picoré 2, on va sur les 18, on retire 2, on te donne les 2 ans, et le reste des 16 ans, on remet à la déesse Mota Matata. Hey, maman! Attends, je n'ai pas bien compris. Donc, si je comprends bien, c'est la poule qui va déterminer mon nombre, le nombre d'années qui me reste à vivre. Voilà, tu as bien compris. Maman, je veux bien l'argent, je veux bien tout ça. Mais c'est trop fort, je ne peux pas, je démissionne. Pardon? Tu ne peux pas faire ma charrière, tu ne peux pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que je pouvais respecter les conditions. Oui, je peux. Et en plus, nous étions chez elle, tu veux mourir? Tu veux mourir? Ne mets pas dans des problèmes. Hein. Je t'emmène quelque part, tu es d'accord, maintenant tu dis que tu ne peux pas supporter quoi. Choisis seulement. Quand tu parles de mes meilleurs amis là, est-ce que moi j'aime d'avoir les meilleurs amis? Simon et Taïson, vous avez grandi ensemble, non? Vous n'êtes plus amis? Ah, nous sommes comme ça. Et alors? Et ils sont plus au quartier? Ils sont là. Et alors? Entre donner les testicules et donner ta maman, qu'est-ce que toi tu peux faire? Je veux bien donner les testicules de mes meilleurs amis là. Voilà. Mais le point c'est que je ne sais pas comment faire. T'inquiète, moi je vais t'aider. Regarde-toi comment tu es belle. Quand l'argent va te pénétrer, je t'assure, la beauté fatale. Regarde-moi, j'étais comme ça. Tu as vu mon véhicule, non? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand tu as ton argent, quand tu parles, c'est tel. Je vais t'aider.
Tu es toute jolie. Je ne savais pas que tu avais ces atouts cachés. Tourne-toi. Aïe! Avec tout ça là, la mission va être remplie vite fait. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas prendre cette petite fille avec moi. Tu en as besoin. Tiens. Tiens. Ne sois pas timide. Vas-y. Bonne chance. Oui, déesse, mon amatata. J'ai reçu votre appel. Bill. Oui, déesse. Si je t'ai appelé, c'est par rapport à ta nouvelle protégée. Je suis au courant de la condition qu'elle a choisie. Mais cela ne me convainc pas. Rassure-toi qu'elle échoue cette condition. Car j'ai besoin de mort. J'ai besoin de sang. J'ai besoin de personnes qui vont travailler. Cet argent qui t'habille. Ok? Oui, déesse. Tu sais que la dernière fois, tu as commis une grave erreur. C'est l'occasion pour toi de te racheter. Ok? Oui, déesse. Si tu échoues, tu sais les conséquences qui suivront. Et toi, ce sera responsable, car je prendrai ta vie. Ok. D'accord, déesse. Va et j'attends de bons résultats. Je suis d'abord cancan free boy. Si tu n'as pas respecté la rage, moula il faut boire comme cana. On te dira alors que tes anciens cancan Spider-Man. Je suis toujours avec mon petit groupe depuis le quartier Colmessine. Et tonton Simon, un cancan Aloman. Et la petite Chiara, une cancan Alunga. Oh, nous sommes. Chiara, c'est comment? Ça va et toi? Je suis là. Je peux m'asseoir? Non, vas-y, nous sommes quand même au village. D'accord. Sinon, c'est comment la journée était? Oui, elle était là. Et la tienne? Ah, nous sommes là, comme d'habitude. Mais tu es pas au sexy comme ça? Ah, il y a des moments comme ça où c'est bien sexy. C'est important. Je t'ai excusé de chanter tout à l'heure. J'ai un nouveau son. Oui. Je vais un peu virer dans l'ombolé. Tu sais qu'ombolé a pris le pouvoir. Ouais. Même comme les gens de l'église là me cassent les oreilles avec leur musique là depuis. Ah oui, c'est vrai. Du courage. Hein. Oui, merci. Sinon, quoi de neuf? Ah, c'est là. Sinon, tu dis que tu partais où comme ça? Pour te dire la vérité, c'est pour toi que je me suis habillée comme ça. Comment ça? Écoute, Tyson, je vais t'avouer quelque chose. Je vais te dire un truc. Dernièrement, je t'avais aperçu que tu faisais l'amour avec une fille là-bas derrière. Et je vais pas te mentir que ça m'avait franchement touché. Comment ça? Toi et moi, nous sommes comme des amis. On a grandi ensemble. Nous sommes comme frères et sœurs. Comment ça peut te déranger? Justement. C'est à cause de notre amitié que j'ai décidé de laisser passer tout ça. Mais là, je n'en peux plus, Tyson. Je n'en peux plus. Tyson, je t'aime. Tu es sérieuse, là? Je t'assure, je t'ai toujours aimé, Tyson. C'est au nom de notre amitié que j'ai décidé de garder ce secret. Mais là, sincèrement, je n'en peux plus. Quand je te vois avec d'autres filles, ça m'énerve. Je te jure. Comment tu peux m'aimer, Chiara? De quoi tu parles, là? J'ai pas choisi t'aimer. Je t'aime, je te dis juste ce que je ressens. Et c'est vrai. Tyson, s'il te plaît, je veux qu'on fasse l'amour maintenant. Chiara, il faut m'arrêter tes machins.
Mais tu es toujours comme ça, tu viens me faire les fausses blagues là. Attends un peu, Tyson, tu m'as déjà vu sérieuse comme ça un jour. T'es sûr que t'es sérieuse? Je suis très sérieuse. Mais tu sais qu'on ne peut pas faire ça ici, non? Nous sommes quand même dans un jardin public. Ok, il n'y a pas de problème. Là-bas derrière, c'est libre. Ok, on y va alors. D'accord. J'espère que c'est pas une blague, un peu pas une blague. Non, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un? Simon, bonjour, mais je ne connais pas. Bill! Ah! Bill! Je savais que mon pote était en train de faire ça. Merci. Hey. Bill! Oui? C'est comment alors? Ça va et toi-même? Ah! Ça fait un bail. Dieu nous dort. Je suis là. Qu'est-ce que ça? Bill, c'est toi? C'est bien moi. Sinon, c'est comment? Je suis arrivée depuis le matin. Maman m'a dit que tu étais ici, mais je t'attendais. Oui, au village, ce n'est que le charme. Maman, depuis quand mon pote fait le charme? Ah, tu vas faire comment? On doit quand même se responsabiliser. Quand même. Bon hein? Courage, c'est le bon. Je suis contente. Wow! Comment les gens étaient allés à la maison? Ils voient d'abord? Non, non. J'ai quand même au vin. Hein? La maman des vins blancs là, elle n'est plus là. Elle est là. Alors? Mais il y a même une nouvelle maman là. Elle fait le bili-bili. C'est la mort. C'est ça qui a la unité au village. Ah bon? Ah, caca. Ah. Ah. Allons-y, c'est moi qui régale. Ah, Dieu merci. Ça alors. Ça n'a pas changé. Ah, tu te rappelles encore de cette angoisse? Bien sûr. Attends un peu. C'est Chiara. Je pars. Depuis quand? Donc je t'ai pas manqué. Je suis là. Je viens te rendre visite. Laisse-la, c'est quand je vais partir. Donne-moi au minimum jusqu'à 17h. Après, vous allez encore, c'est ta voisine depuis, non? Vous êtes là tout le temps, non? Donc je te manque pas. Ouais, Simon, décroche, décroche. Toi, elle m'appelle même comme ça pour dire que oh, les arachides sont finis, il faut que je vienne. On a enlevé les arachides au grenier, tout ça. Ce n'est même pas pour une bonne cause. Alors, il faut que je profite de ma tango aujourd'hui. Je sais que je vais te voir quand. Allons voir. Dieu merci. Ouais, mon pote chéri. Allô, Bill? Oui, Chiara. J'ai déjà pour Tyson, j'arrive pas à trouver Simon, il sait qu'il est où. Comment ça, tu ne trouves pas Simon? Je sais pas où il est, depuis je l'appelle, il ne décroche pas. Ouais, ok. Est-ce que tu sais qu'on a jusqu'à 17h pour donner ça? Hein? Bill, pourquoi tu m'as pas dit que c'était jusqu'à 17h? Ok, tu es où? Je suis là, on a pris le pot tout à l'heure. Ok, j'arrive.
Hein? Hey, il est déjà 16h30. Hey, ma vie, c'est fini. Je me suis engagée dans quoi comme ça? Il est déjà tranquille. Hey. Hey. Qui m'a envoyé, Seigneur? Hey. Kiara, qu'est-ce que je vais raconter là? Tu dis quoi? Depuis la gestion du monde de Simon, ça ne passe pas. Comment ça? Ouais, qui est Seigneur? Tu sais qu'il est parti, oh. Tu sais qu'il est parti, voici ça ici. Je casse, ça ne prend pas, personne ne décroche. Tu sais qu'on a jusqu'à 17h? Hey, mais tout ça c'est à cause de toi. Tu m'as pas dit quand tu devais avoir fait ça jusqu'à 17h. C'est parce que tu as trop paniqué le matin. Il y avait trop de panique, j'ai oublié. Mais dis donc. Attends, je vais voir si je peux trouver une solution. Mais Kira, il est 16h59. Hey, ma vie, qu'est-ce qu'il va devenir? Vais-tu quoi, maman? Mais non, il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Bravo, tu as réussi ta mission. Merci, déesse. Il est temps qu'elle se réveille. Qu'est-ce que je fais ici? Kiara! T'inquiète, tu n'es pas morte. Cependant, ça sera le cas si on ne s'entend pas. Tu as raté ta première mission dont tu as eu le choix. Mission de nous apporter les testicules de tes deux meilleurs amis. Ta seconde mission sera mon choix. Bim! Un stylo rouge. Donne-lui. Kiara. Cette mission. Écris le nom du chef. Sur la main de ta maîtresse. Kiara, bienvenue parmi nous. À partir de demain, tu seras une femme riche. Tu auras argent, voiture, voyage, tout.
Il. Oui, déesse, mon amatata. J'ai reçu votre appel. J'ai une mission pour toi. Je suis à votre disposition, mon amatata. J'aimerais que tu protèges Kiara et fais en sorte qu'elle te suive. Fais tout et tout pour qu'elle revienne en ville avec toi. C'est entendu, mon amatata. Mais déesse, pourquoi cet intérêt pour elle? Tu n'es pas obligé de le savoir, mais sache qu'elle a une étoile que j'aimerais m'en accaparer. Compris, déesse. Alors, exécute bien ta mission. Fais tous et tout que te suivre en ville et tu seras récompensé. Vous ne serez pas déçu, déesse. Salut Simon. Hé, hey, Vicky, mais je t'attendais pas au village. Je ne pouvais pas quand même entendre la mort de Tyson et je ne viens pas. Oh, vraiment, nous sommes dépassés. Vraiment. Tu sais, je ne m'attendais pas à arriver au village dans de telles circonstances. Toi au moins, tu as appris avant de venir. Que dirais-tu de Bill que la nouvelle a trouvé sur place? Elle est ici. Oui, elle est ici. Elle est arrivée quand? Hier. Attends. Tu as dit que Tyson est mon camp. Hier. Ok. Je vais aller saluer les gens au village et je reviens. D'accord. Ok. Là me dépasser. Ça me donne même des mots de tête. Tyson, tu n'exagères pas. Une petite équation comme ça te dépasse. Tu as appelé le bac car tu as même ce que tu auras ton bac à Nice. Est-ce que pour chanter le mbolé, il faut avoir les diplômes? Tu penses qu'à la majorité des gars qui font dans le mbolé, ils ont les diplômes? C'est quand je chante le mbolé que j'ai l'inspiration. Dis-moi que non, interprète mon son là. J'interprète, tu vois comment l'inspiration va venir et t'étape les émotions. Ok, juste après nous aider à avancer. Vas-y, chante. Tape les mains. Voici affaire d'Ombolé au village Colmessène avec la montée en puissance des Kionkamen. Waouh, ils vont donc respecter la rage des Kion avec la montée de. Thank you.
Cette histoire. Pour une fois que je viens passer un séjour dans mon village natal, il y a seulement des malheurs. Hier, c'était Tarzan qui est mort. Comment ça? Une mort avec qu'on a coupé ses testicules. Aujourd'hui, c'est le petit frère de Chiara. Il est entre la vie et la mort. Je ne sais même pas si demain on va le trouver. C'est quelle histoire ça? Tellement triste, vraiment. C'est très douloureux. Tu as vraiment dit que je pouvais me lever ce matin sans mon ami Tyson. Je n'aurais jamais cru. Vraiment, c'est très douloureux. Oh Dieu. Simon, ainsi va la vie. Vivons comme si c'était la dernière fois. La dernière fois que nous étions ensemble, qui sait si c'est pas toi qu'on cherchait? Mais Dieu merci. Donc tout ce que Dieu fait est bon. La seule chose à retenir, c'est quoi? Quand on se réveille, vivons comme si c'était la dernière fois. C'est Chiara qui m'inquiète plus. Elle est tellement inconsolable, vraiment. Je ferais mieux d'aller consoler Chiara. Tu as tout à fait raison. Tu en as besoin. Bon, à plus. Bon courage, Sérène. On vient de l'enterrer. Et vu la situation, ce sont sûrement les trafiquants d'organes qui lui ont fait ça. Je te comprends. Après avoir perdu notre meilleur ami, et juste après, ton petit frère qui est gravement malade, il est entre la vie et la mort à la maison. Je compatis. Où étais-tu passé hier soir, Simon? Où étais-tu passé? J'ai passé mon temps à t'appeler, je ne prenais pas, tu étais où? Tout ça, c'est à cause de toi, Simon. C'est à cause de toi. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas mis tes appels hier soir. Mais sache que tu peux toujours compter sur moi. Ta zone est peut-être partie. Et moi, je serai toujours auprès de toi. Sois forte pour ton petit frère. Allons, je veux te raccompagner à la maison. Non, merci. Je préfère rester ici. Ok. Chiara, ça va? J'ai une bonne nouvelle pour toi, sois pas triste. Pourquoi tu es triste comme ça? Comment, mon chéri?
Pourquoi tu es triste comme ça? Ah, non, je venais pas pour ça. Je venais juste pour te dire que ton compte a été fourni. Et te rappeler aussi les conditions. Il ne faut pas que tu dises que ça soit comme la dernière fois. Il ne faut plus que je dis. Tout cet argent que Mouna Matata, la déesse, t'a versé là, tu dois l'obéir toute ta vie. Si à un seul instant, tu fais erreur, tout ça va disparaître. Et tu seras perdante. Parce que tout le sacrifice que tu auras fait sera en vain. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être triste. Tu es déjà riche. Ça sert à quoi d'avoir tout cet argent si c'est pour perdre des êtres chers? Je dis, tu ne peux pas penser à ton bonheur. C'est comme la déesse t'a versé, c'est rien. Si tu essayes de donner, je dis ton père ou ta maman, tu vas voir combien tu auras comme argent, quel genre de richesses que tu auras. Tu seras parmi les milliardaires. Tu cherches quoi? Pense uniquement à toi, ferme tes yeux et pense rien qu'à ton bonheur. Tu pourras même me dépasser. Je sais que les débuts sont difficiles, c'est vrai. Mais avec le temps, tu vas t'y habituer. Ne fais pas cette tête. C'est pas ça qui va les ramener. Moi, je ne venais pas pour te voir triste. Je venais juste te rappeler que, comme ton argent était fou, on a besoin de ta signature aujourd'hui. Donc, il faut qu'on aille en ville tout à l'heure. Donc, apprête-toi, s'il te plaît. Ne sois pas triste. Fais-toi belle. Tu ne peux pas arriver en ville comme ça. Oh. Mon sauveur Kiara, le diable est entré dans sa vie. Taise-toi. Kiara, n'aie pas peur. Tu peux me faire confiance. Je ne te ferai aucun mal. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te faire une proposition. Je veux que tu sois ma reine.
Que tu m'accompagnes. Que tu sois à moi. Là. Tu pourras être au-dessus de ville. Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras le pouvoir entre tes mains. Je pourrais même faire ressusciter ton ami Tyson. Tyson, ça signifie que Tyson pourra revivre. Oui, j'ai le pouvoir de le faire. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Tu n'es pas obligé de me croire. Cependant, si tu chantes David, suis Bill. Mais si tout, ne lui dis rien. Car cette conversation doit rester entre nous. Je me demande quel est cet intérêt que porte à Chiara. Mais bon, tant que mon compte bancaire est fourni, je m'en fous du reste. Salut Bill. Que fais-tu ici? C'est toi que je cherchais. Trouver. Que veux-tu? Bill, j'espère que tu n'as rien à voir avec la mort de Tyson. Pardon? Toi et moi, nous savons très bien ce que tu as fait pour arriver à ce niveau. Et alors? Je te l'ai proposé, mais tu n'as pas voulu. Et en plus, j'ai pour y voir avec Tyson. Écoute-moi bien, Bill. Si un seul instant, je dis bien un seul instant, je me rends compte que tu as quelque chose à voir avec l'amour de Tyson. Rassure-toi, ma chère. Tout le monde dans ce village saura qui tu es. Je dis bien tout le monde. Je sais que je suis très sérieuse. Qu'est-ce que c'est que tu t'es venu faire ici? Merde, il faut que je parle. Je croyais qu'on devait partir ensemble.
Bienvenue dans mon monde. À présent, tu comprends la différence entre richesse et pauvreté, non? Avec le temps, tu comprendras que tous tes sacrifices n'ont pas été vains. D'accord? Fais pas cette tête. C'est une amie. En attendant qu'on finisse de meubler ton appartement, tu vas déjeuner ici pour une nuit, d'accord? Juste pour une seule, parce que moi, j'aime pas être embombée. Et puis, je te mets à l'aise. Viens, je t'installe. Chercher Chiara partout, tous les endroits qu'elle fréquente. Elle n'est pas là. Et j'essaie même de l'appeler. Elle ne prend pas le téléphone. Essaye avec. Oui, Chiara, mais tu es où depuis? Je t'ai déjà cherché partout. Désolée, Simon, mais je ne peux pas te dire où je me trouve. Ok, reviens à la maison, parce que ton petit va venir rendre l'âme, vraiment. Que son âme repose en paix. Allô? 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 Hé, on me raccroche au nez. Hé, je ne sais pas ce qu'il arrive. Depuis la mort de ta zone, elle est vraiment bizarre. Bill. Oui, déesse.
Muna Matata. Tu viens déjà à te féliciter pour ta dernière mission. Merci, déesse. Tout se déroule sans encombre, je suis fier. Cependant, elle risque de continuer. Je suis à votre disposition, déesse. Rassure-toi qu'aucun homme ne s'approche de Kiara. Quitte à la mettre dans ton cercle à Atlanta. Compris, déesse. Rassure-toi, ta dernière mission, ton virement a déjà été fait. Merci, déesse. Aussi, j'ai déjà faim. J'aurais besoin de nouveaux testicules. Compris, déesse. Je reviendrai vers toi si besoin se fait sentir. Mais tu n'as pas encore fini, Vicky. Donne-moi quelques secondes. Vu qu'elle utilise un téléphone Android, j'ai pu localiser sa position. Un téléphone Android? Kiara, un téléphone Android? Kiara a un téléphone Android. Hey! Et le plus étonnant, c'est qu'elle n'est pas ici au village. Kiara est en ville. Quoi? Kiara en ville? Mais qu'est-ce qu'elle a pas cherché en ville? C'est à moi de te poser la question. Elle n'avait pas un projet de voyage concernant peut-être ses études, je sais pas. Non. Et si c'était même ça, avec le cas de son petit frère, je ne pense pas, ça devait être impossible. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer t'échanger et tu viens avec moi en ville. Je pense que c'est là-bas qu'on va avoir plus de réponses. Moi, je ne connais pas moi la ville. T'inquiète, tu es avec moi. Ok. Ça marche. Ceci. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu représentes pour Bill. Mais je ne veux plus te voir tourner autour d'elle. Bill est à moi. Bill m'appartient. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Ne fais pas ton visage d'innocente. Tu sais très bien de quoi je parle. Nous tous nous savons très bien que tu viens de faire des sacrifices. Donc dépêche-toi de sortir de cette maison. Sinon, reste-tu vivant? Écoute, vos revues ne m'intéressent pas. Je ne me mélange pas dans vos injuries. Je suis ici pour un but. Donc, s'il te plaît, garde tes humeurs pour toi. D'ailleurs, je ne mange pas dans ce coin. Je respecte bien, madame. Bill, je ne supporte plus cette fille que tu as amenée dans cette maison. Avec son visage d'ange, je ne la supporte plus. Calme-toi. On a causé sur ça, non? Justement, c'est pour cela que je supporte. Je vais supporter jusqu'à demain, sinon tu seras responsable de son cadavre. Tu es si jalouse. Va arriver. Je vais aller voir. Voilà.
J'ai reçu ton appel. De quoi s'agit-il? En fait, je veux que tu me rendes un service. J'ai reçu un appel. Et je veux que tu me donnes la position exacte de la personne que j'ai essayé d'appeler. Attends, ça, c'est de la localisation, là? Oui. Bon, déjà, il faut un mobile pour ça. S'il te plaît. Il y a un problème? S'il te plaît. Je veux que tu fasses ça pour moi, car c'est très important. Fais voir. Tu sais, en fait, pour localiser, c'est pas... Il y a tellement de procédures. Mais je vais le faire pour toi, hein, juste pour... l'ami que tu es. Mais sinon, c'est pas évident. D'accord. Bon, je vais le faire. Sinon, donne-moi quand même quelques minutes. Le temps pour moi d'arriver au bureau et puis je te reviens. D'accord, je t'attends. C'est un ami. Il va essayer de localiser Kia. Ok, c'est bien. Il avait à 30 ans. De mon côté, rien. Mais comment ça? Je ne sais pas. Depuis que je suis arrivée, c'est elle qui me regarde bizarrement. Pourtant, je ne lui ai rien fait. T'inquiète. Elle est juste possessive. Avec du temps, tu vas l'aimer. C'est une fille bien. Ok, si tu le dis. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai surprise en train de vous embrasser. Je ne vais pas te mentir que ça m'a tellement choqué parce que je ne savais pas que tu avais déjà vécu de ce côté-là. Aux dernières nouvelles, quand tu quittais le village, tu sortais avec Eric. Tu sais, Eric n'est plus de ce monde. J'avais utilisé cette astuce pour faire nourrir la déesse Mutamatata. Et en plus, je me servais à quoi? Rien. Mona Matata a besoin de testicules pour se nourrir. Et c'est grâce à ça qu'on a les pouvoirs qu'on a là. Et c'est pas nouveau. Quelle est cette tête que tu fais? Ok. En parlant de la déesse Mona Matata, tu voudrais savoir une chose. Tu lui fais entièrement confiance? Mais bien sûr. La déesse Mona Matata a fait de moi ce que je suis. Donc elle a toute ma confiance. Je lui ai donné mon âme et toute ma vie. D'accord? Toi aussi, je t'en conseille. Et pourquoi cette question? Non, rien. Donc, tu n'as pas peur qu'un seul instant elle puisse te duper? Me duper, moi? La déesse n'est rien sans moi. Tout ce que j'ai déjà eu à faire à la déesse et ce que je continue à faire pour elle. Elle, c'est moi. Elle ne peut même pas vivre sans moi, d'accord? Et je t'en en conseille. Parce que si tu le fais, je vais même me dépasser. Ok, si tu le dis. Revenons à Atlanta. Ça te dirait une partie à trois? Non, merci. Ma chérie, je te conseille de virer. Parce que tu risques de passer ton temps à découper les testicules des hommes. Moi, je me sens bien, je me sens à l'aise. Elle-même sait que je ne fais plus ça. Je ne sors plus avec les hommes. Voilà pourquoi je n'ai plus ce genre de travail-là. Je t'en conseille. Réfléchis-y, d'accord? Alors, t'as dit quoi? Bon, déjà, ça n'a pas été facile.
mais j'ai l'information. Tu as pu localiser la maison? Mieux que ça. Nous avons le propriétaire de la maison, le propriétaire du téléphone aussi. Et? Oui. C'est? C'est une certaine... quand je regarde... Une certaine... Voilà. C'est une certaine Bill. Bill Njoya. Pardon. Oui, Bill Njoya, voilà. Bill Njoya. Oui. C'est pas vrai ça. Attends, il y a un problème. Non, ça va, merci. Non, en fait, puisque c'est elle la propriétaire de la maison et tu sais, c'est un domaine de l'État, tu vois, et c'est enregistré sous son nom. Donc, j'espère que j'ai pas fait une boulette. Hein. Non, pas du tout. Okay. Merci beaucoup pour l'information. D'accord. Bah, je peux t'envoyer ça sur WhatsApp si tu veux. Merci, ça marche. Tu fais quoi samedi? Pour le moment, j'ai pas assez de temps. Oui, mais attends, chaque fois, tout le temps, tu n'as pas le temps. Hein? Et je fais toujours des choses pour toi, mais toi, tu n'as jamais le temps. On en reparle plus tard. Si. Ok. Bah, moi, je vais retourner au boulot. On a encore décidé quelqu'un là. D'accord. Tu vas saluer ton partenaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il a pu la localiser? Oui. Simon. Kiara est chez Bill. Chez Bill? Oui. Kiara chez Bill? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Tu ne vas pas me croire, Simon. Mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur Bill. Bill a mis les mains dans des choses pas bien pour avoir tout ce qu'elle a. Mais comment ça? Mais Bill travaille! Mm-hmm. Bill est dans les choses maléfiques et j'ai bien peur qu'elle enroule Kiara. Tu as dit les choses maléfiques? Bill est dans la sorcellerie. Hey. Il y a quelque temps, j'ai failli être sa victime. Simon, nous sommes des Africains. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas la sorcellerie. Ça existe. Bill est revenu ici au village pour sacrifier des gens, pour s'enrichir. Sacrifier? Comment? Comment se fait-il que Bill arrive au village? Le même jour, Tyson meurt, le petit frère de Kiara meurt, Kiara disparaît. Disparaît comment? Si tu ne me crois pas, allons, je vais te montrer la maison de Bill et tu verras que Kiara est là-bas. Simon, que fais-tu ici? Où est Kiara? Il sait qu'elle est ici. Calme-toi. Simon, qui t'a montré où je vis? C'est pas le plus important. Dis-moi juste où Kiara se trouve. Et je sais qu'elle est ici. Kiara est bel et bien ici. Mais pour le moment, elle est sortie faire les 100 pas depuis qu'elle a appris la mort de son frère.
Bin, dis-moi, tout ce qu'on me dit de toi est faux. Et qu'est-ce qu'on dit? Dis-moi que tout ce que Vicky m'a dit de toi est faux. Encore cette Vicky? Mais cette fille, qu'est-ce qu'elle me veut? Cette paresseuse-là, une envieuse, une sorcière même, je ne sais pas ce que cette fille me veut. Tu sais ce qui s'est passé au village? Même le transport, elle n'en avait pas. C'est moi qui lui paye le transport. Et malgré cela, elle reste me demander. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette fille? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que tu seras l'origine de la mort de ta zone. Et que tu as détruit Kiara. Quoi? Moi, Bill, je peux faire du mal à une mouche? Et toi, tu l'as cru? Tarzan avec qui? On a cheminé notre enfance. Tarzan n'était plus qu'un ami, il était comme un frère. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant c'est Kiara. C'est Kiara qui vient me voir. Je suis en train de tourner en ville. C'est là qu'elle est désemparée. Elle veut venir en ville. Qu'aurais-tu fait? Elle voulait juste enlever tout ce qu'elle avait déjà accumulé. Trop de malheur. Ai-je mal fait, Simon? Franchement, Simon, tu me déçois. Mais dis donc, au bon propos. Tu sais, ma soeur, moi-même, je t'ai emporté avec tout ce qui s'est passé. Vraiment. Je n'étais plus vraiment à moi. Pardonne-moi. Tu débarques chez moi. Tu m'insultes. Tu me bouscules pour dire excuse-moi. C'est très facile, hein. Excuse-moi, mon ami. Tu es mon ami. Et tu es comme ma soeur. Vraiment. Je m'excuse encore du plus profond de mon cœur. Mais ça dit quoi? Donne-moi un verre de whisky là. Je suis chez toi. En plus, je suis en ville. Pardon? Tu débarques de chez moi. Tu m'insultes. Et pour couronner, je dois t'offrir un verre de whisky. Simon, fais attention. Je préfère que tu partes. Vraiment? Oui. Je ne suis pas dans mon assiette. Quand je vais me calmer, je verrai si je dois te recevoir. Mais Bill, c'est Simon là. Tout à l'heure, quand tu m'as bousculé, ce n'était pas Bill? Ok. Quand Kiara rentre, dis-lui que j'étais là. Bon. Bye. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai entendu crier là tout à l'heure. Tu étais avec qui? L'un des amis de Kiara. Vicky. Vicky est en train de s'initier dans ce qu'elle ne connaît pas. Cette fille est prête à tout pour mettre des bâtons dans les roues. La petite fille que tu as emmenée dans cette maison, elle va me poser des problèmes. J'espère que tu te rends compte. J'ai besoin de réfléchir pour que je trouve une solution à ça. As-tu vu Kiara? Je dis, hein, pourquoi tu es méchante comme ça? Bill ne fait qu'aider Kiara. Mais toi, tu passes tout ton temps à la saboter. Pardon. Tu sais, nous sortons d'un même village. Mais la façon que tu traites ta sœur,
n'est pas digne de toi. Alors elle t'a aussi amadoué. Et dans cette histoire-ci, tu es la vraie sorcière. Wow. Tu sais quoi? Je ne connais pas la vie. Mais je veux me débrouiller pour un trouver la seule. Je suis. Bye. Bill! Bill! Pas besoin de crier. Je suis là. Tu allais raconter à Simon? Juste la vérité. C'est une légère, une hypocrite, une négrie. Et en plus, tu es jalouse de moi. Bill, tu es lâche. Tellement lâche que tu es incapable d'assumer tes actes. Je suis sûre que ton père se retourne dans sa tombe juste en pensant que tu es sa fille. Bill, je t'ai prévenu au village. Et ça, tu l'auras voulu. Mais Bill, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as les pensées? N'essayez pas. Simon était là. Simon, qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Imagine. C'est toi qui l'es venu voir. Moi? Mais je n'ai jamais demandé à le voir. Et d'ailleurs, même, comment est-ce qu'il a fait pour connaître la maison? C'est Vicky. Vicky, la fille que je connais au village là. Et quel est son intérêt dans tout ça? Chiara, je vais t'en dire quelque chose. Il fut un temps, Vicky voulait devenir riche comme moi. Elle a raté les conditions de la vieillesse pour ma matade. Du coup, elle veut compromettre tous mes plans. Elle avait demandé jusqu'à dire à Simon que c'est toi qui avais tué Tyson. Pardon? Et comment est-ce qu'elle a fait pour le savoir? Cette fille est une vraie menace pour moi. Au fur et à mesure des choses, il va falloir utiliser les mesures drastiques. Qu'entends-tu par mesures drastiques? Chiara, il va falloir éliminer Vicky. Et sinon, si ce n'est nécessaire. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pourtant vrai. Mais j'ai l'impression de voir un film qui sort directement de Bollywood. Il faut d'abord qu'on trouve Simon. Tu sais, je t'ai déjà dit d'arrêter de vouloir toujours sauver tout le monde. Tu as cette habitude d'aider les gens. Et un jour, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne pourras pas faire marche arrière. Occupe-toi aussi un peu de toi. Ibrahim, ce sont mes frères du village. Je ne veux pas les voir tomber dans le plan de Bill. Tu sais, si je reste là à ne rien faire, ma conscience va me juger. Vicky,
Je t'ai toujours dit que tu ne peux pas sauver tout le monde. Même Jésus ne l'a pas fait. Je vais quand même essayer. Tu sais, tu es mon ami et tout ce que tu pourras faire, je suis là pour toi en tout cas. Merci. À condition qu'on ne gère pas le retour. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut d'abord retrouver Simon. Tu sais, Simon ne connaît pas la ville. Et je sais qu'il est encore dans les parages. Ok. Je pense qu'on va faire deux groupes. Toi, tu vas aller vers le haut et moi, je vais descendre. Ça marche. Kiara! Oui, déesse. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour avoir ta réponse par rapport à ma proposition. Déesse, si c'est pour faire revenir mon ami Tyson, j'accepte être votre reine. Heureuse de la dame! Car je tiens toujours mes promesses. Bientôt, tu verras Tyson. Et lorsque tu le verras, ça sera la signature de notre accord. Parce que la déesse que je suis tient toujours ses promesses quand on l'honore. Ok? Ok? Ok, déesse. Et je répète. Bé ne doit pas être au courant. Tout ceci reste entre toi et moi. Ok? Ok, déesse, Muna Matata. Mon petit frère est mort. Et voici Simon que tu demandes encore comme tu. Bill, est-ce qu'il y avait une autre solution? Kiara. Tous les jours la même question. Parfois tu me dépasses. Est-ce que tu étais comme ça avant le sacrifice de Tyson? Étais-tu belle comme ça? Tu respires la richesse. Et ce n'est que le début. Quand je me pose la question, parfois je ne sais même pas quoi te répondre. Regarde-moi. J'ai eu à sacrifier mon papa. Pourquoi? Pour tout ce que tu vois là. Mais je suis pleinement riche. Personne ne peut me brancher. Tu passes ton temps à réfléchir pour des bêtises. Ton papa, il a déjà 70 ans. Je ne pense pas qu'il puisse encore faire 10 ans sur terre. D'ici 3 ans, il va mourir. Anticipe-tu sa mort. Sacrifie-le afin de soutenir ta maman. Donc tu veux que ta maman, elle passe toute sa vie dans cette pauvreté que tu vivais déjà à l'époque. Mais Kiara, fais gaffe. Tous ces gens que je supporte, ils sont appelés à mourir. Ils peuvent sortir là. Et ils se font renverser par un véhicule.
Donc ce que tu feras, c'est juste anticiper. C'est pas un crime. C'est juste que tu as anticipé la mort. Et en attendant, ma chérie, essayons de vivre les choses. C'est ça le plus important. Vivons. Ok, je t'ai entendu. Bon, je vais sortir. Bon, je ne vais pas avoir. Je t'ai dit que cette fille ne va que nous amener les amis. Sacrifier son père et sa mère. On va lui expliquer plus de 50 fois. Ma chérie, c'est un gourou. Elle a déjà eu affaire au plus grand sacrifice. Rendre son meilleur ami. Ne t'inquiète. Je saurai comment m'y prendre. Pour qu'elle sacrifie son père et sa mère. T'inquiète, tu as encore confiance en moi. Le problème, c'est que cette gamine m'énerve. Je ne veux plus qu'elle reste dans cette maison. Encore la jalousie. Je sens que tu es toute violente. Cette coiffure n'est pas ma famille. Tu vas faire pour qui? J'espère que c'est pour moi, parce qu'on vous connaît. Je l'ai cherché partout, mais en vain. De mon côté, pareil. Attends, tu es sûr qu'il n'est pas retourné au village? Non. Connaissant Simon, il ne peut pas retourner au village sans voir Kiara. Il me faut contacter Kiara. Je sais que Bill a déjà monté Kiara contre moi. Et j'ai besoin de ton aide sur ce point. Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Allons-y, je vais t'expliquer en route. Kiara,